Ben, je ne suis pas sûr que vous êtes d'accord avec moi. Hein. De nos jours, se lancer dans de grandes études ne garantit en rien d'avoir un boulot. Vaut mieux carrément développer d'autres aptitudes, comme par exemple celle du nez creux. Sentir d'où vient le vent. Savoir un petit peu où vont être les besoins. Alors bien sûr, ça fait peur. On se lance sur un truc, une filière, on se dit ah, j'espère que ça va marcher parce que là, je suis en train d'y passer du temps et y laisser pas mal d'énergie. Mais en contrepartie, si jamais ça fonctionne, vous allez trouver au moins deux atouts au bout du compte. Le premier, c'est que vous allez trouver facilement du boulot. Pourquoi ? Parce que nouveau boulot, donc accessible, peu de gens sur le marché. Et puis le deuxième, c'est que vous allez pouvoir gagner beaucoup de pépettes. Ah, encore une fois, un boulot rare, donc fatalement bien payé. Alors dans tout ça, on se pose des questions. On se dit, c'est quoi la solution ? La solution passe d'abord par l'observation, savoir un petit peu ce qui se passe autour. Et puis la deuxième, c'est peut-être de vous faire aider, et c'est précisément ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo, avec ces 7 choix possibles. Bienvenue sur cette chaîne qui booste votre business en ligne. Top 7 des métiers d'avenir. BID, B-I-D. Ça veut dire en gros en anglais, offre. BID manager, c'est celui qui va gérer les appels d'offres entre les clients et les entreprises. C'est donc un intermédiaire. Et être un intermédiaire, c'est toujours un bon plan. BTP, informatique, santé, ingénierie. Le BID manager est à l'écoute. Il écoute les besoins d'un client, il les définit. Ensuite, il fait des propositions commerciales et techniques et ou d'ailleurs techniques. Et ensuite, il se charge du suivi. En plus, il peut s'occuper d'avoir des campagnes publicitaires. Si vous aimez ça, c'est juste parfait. Campagne publicitaire sur Internet, de l'achat des mots-clés, des enchères pour le référencement. D'où le nom d'ailleurs BID qui signifie offre ou enchère. Alors si vous aimez le marketing, si vous aimez le contact humain, si vous aimez rédiger, si vous aimez analyser, bah, BID Manager, ça peut être juste parfait pour vous. D'autant qu'on, déjà actuellement, de nos jours, on en demande, même en 2020. Alors comment devenir photogrammètre ? Qu'est-ce que c'est ce photogrammètre ? En fait, c'est un mélange de deux professions. La première, c'est le géomètre. Le géomètre, c'est celui qui prend des plans, des mesures, documents, qu'est-ce qu'il fait encore ? Des projets de construction, enfin bref, c'est le géomètre. Hein. Et puis, pilote de drone. Ah, pilote de drone, c'est pas mal. Celui qui pilote donc les petits engins qui permettent de faire des vues aériennes ou d'aller dans des endroits très difficiles d'accès. Alors évidemment, si on mélange les deux, on tient le photogrammètre en question. Le photogrammètre. Hein. Et le photogrammètre, on y voit tout de suite des avantages. Ça évite d'avoir des vues d'avion à payer. Hein. Drone, ça suffit. D'aller dans des endroits escarpés, se casser le dos, se casser les... Voilà. Et ben, photogrammètre. Hein. Et le photogrammètre, il fait partie des métiers d'avenir qui recrutent depuis maintenant quelques années avec plus de 125% de demandes en un an. Et si vous aimez les chiffres, la rigueur, les nouvelles technologies, vous serez certainement très heureux d'apprendre que photogrammètre, salaire annuel, 30 000 euros par an. Alors on le sait, hein, la communication et la cohésion d'équipe dans une entreprise sont souvent des points faibles. Et pourtant, c'est juste primordial pour toute la partie productivité de l'entreprise. Et c'est là que justement on s'intéresse à ce monsieur, ce Scrum Master, qui est là, lui, pour en fait faire une sorte de coaching d'équipe en entreprise. Quand il s'agit de faire des projets de groupe, c'est carrément le meneur de jeu. En fait, c'est celui qui organise des mêlées. Alors, ce sont des réunions de 15 minutes à peu près. Et puis des sprints, alors ça, c'est plus pour développer un produit rapidement. Son objectif, c'est absolument pas de donner des ordres hein, en disant qui fait quoi, mais plutôt de faire en sorte que la mission se déroule le mieux possible en faisant participer chaque collaborateur. Un coach. Bah, c'est un coach, quoi. Alors, si vous avez l'âme d'un leader, si vous-même vous êtes motivé et que vous êtes motivant, eh bien, vous réussirez donc dans cette partie très particulière quand même. Malgré tout, il va falloir quand même réussir à rester un petit peu humble dans tout ça. Il y a toujours beaucoup d'ego à gérer et avoir cette patience qu'il est nécessaire pour pouvoir gagner ce salaire de Scrum Master qui n'est autre que de 60 000 euros par an. L'ingénieur cobotique. Qui dit futur, dit robot. Il en existe actuellement plus de 2 millions sur cette planète et évidemment, les robots vont se multiplier, se développer de plus en plus. Et quand l'homme en vient à demander la main à une machine, ça peut faire un mariage heureux. Rigueur, précision et polyvalence sont les qualités requises. La cobotique, c'est pour collaboration plus robotique. Et vous l'avez compris, il s'agit d'une collaboration merveilleuse entre l'homme et la machine qui est là pour suppléer toutes les tâches les plus compliquées, les plus difficiles, les plus astreignantes qui sont d'habitude vouées à l'homme. Alors, par contre, c'est niveau ingénieur. Ah, il faut faire, c'est un petit peu niveau élevé, mais cela dit, ça reste quand même un métier très intéressant, surtout au niveau financier. Attends, j'ai noté 63 000 euros par an. Cinquième métier d'avenir qui recrute. L'économe de flux.
Ah oui, mais là, on se rapproche un petit peu de l'environnement. Hein. Ça peut en intéresser quelques-uns. L'économe de flux. Ah ben, c'est un petit peu pour voir. Alors lui va se déplacer sur le terrain. Il va regarder, analyser. Il va proposer aux entreprises et aux collectivités les moyens de réduire leurs dépenses énergétiques. Quels sont les appareils qui consomment le plus? Y a-t-il des solutions pour faire des économies d'énergie? Tout est étudié à la loupe et noté dans ses rapports. Dans son travail, il peut également être amené à faire des campagnes de sensibilisation dans les écoles ou pour le grand public. Le métier d'économe de flux vous intéresse? Parfait, sachez qu'il faut quand même un bac plus 2, hein, au minimum. Alors, soit dans les énergies, soit dans la domotique ou un master, hein, c'est même encore carrément mieux. Et cela dit, une fois que vous y êtes, eh ben, ça vous permet un salaire de 50 000 à 60 000 euros par an. Comment devenir data scientist? Alors ça y est, rien que le nom, déjà, tout le monde s'en va. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Non, c'est facile à comprendre. Je vais expliquer ça de manière très simple. De nos jours, les entreprises ont besoin d'en savoir un petit peu plus sur leurs clients. Ils ont besoin de récolter des données. Vous-même, ça vous est peut-être arrivé déjà de remplir un formulaire, tout simplement. Alors bien sûr, qui dit données à récupérer, dit aussi données d'une part à stocker, c'est vrai, mais aussi données à analyser. Et c'est bien là le problème, c'est de réussir non seulement à les collecter, mais ensuite à savoir en tirer les bonnes analyses. Et c'est précisément le boulot de ce data scientist. Donc il regroupe, il trie, il analyse les données et ensuite il va transmettre le résultat à une autre personne de l'entreprise, souvent celle qui est chargée du marketing. Et c'est en fonction de ces données et de cette analyse de données que toute la suite, les campagnes marketing vont se faire, que les ventes vont se faire, toute la suite. Alors évidemment, c'est super important, on est carrément à la base quand on est data scientist, quand on est scientifique des données en français, on est à la base de toutes les informations qui vont en découler pour l'entreprise. Donc évidemment, ce sont des postes qui sont de plus en plus recherchés et qui sont hautement important pour une boîte. Septième bonne idée, c'est de devenir infopreneur. Ça, c'est la contraction de deux mots. Info pour information, vendre de l'information, et preneur pour entrepreneur. Infopreneur. Alors évidemment, il y a plein de domaines dans lesquels vous pouvez officier, vendre de l'information dans plein de domaines différents, quels qu'ils soient. Ça peut très bien être dans l'immobilier, ça peut très bien être dans la monétisation d'un blog, ça peut très bien être dans la perte de poids, comme vous voulez. En tous les cas, on estime que les ventes de formation en ligne augmentent de 5 à 10% par an. Évidemment, si vous voulez réussir dans l'infoprenariat, déjà, il faut être un petit peu passionné par le sujet que vous allez traiter. Et puis aussi, il va falloir y croire un petit peu en votre projet. Hein, voilà. Donc, vous allez chercher. Alors, je sais pas, si par exemple, vous cherchez à vendre des formations en ligne, sur général, deux étapes. Un, on crée la formation. Deux, on la vend. Et pour aller plus loin, eh bien, ce que je vous propose, c'est précisément ce programme offert. Bah, pour créer votre formation en ligne rentable. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite. Et si tu cliques.